propose d'enchaîner tout de suite sur le bilan éco-jardin, le bilan annuel que je vous fais à chaque rencontre, pour faire un peu le point sur l'évolution des labellisés et sur quelques indicateurs. Et Aurore interviendra juste après pour vous présenter un peu les nouveautés sur les outils autour d'éco-jardin, sur les évolutions. Et on vous parlait notamment des sites audités en Wallonie. Ce sera l'occasion de vous en parler également. Alors sur l'évolution du label depuis 2012, ça a été dit dans le mot d'ouverture par Bruno et François. Donc on est à 577 sites labellisés. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle puisque malgré le contexte un peu particulier de l'année passée, on a quand même eu une année plutôt prolifique en nombre notamment de nouveaux sites présentés. C'est le graphique que vous voyez ici en bas. En bleu, vous avez le nombre de nouveaux sites présentés chaque année et en vert, le nombre de sites renouvelés. Vous voyez quand même qu'on a eu 48 nouveaux sites, hein. Il n'y a eu qu'un seul comité de labellisation l'an dernier, hein, au lieu de deux les années précédentes. Donc malgré tout, une bonne évolution avec, ça a été dit, des sites un peu particuliers. J'y reviendrai à la fin de ce bilan. Des renouvellements aussi toujours aussi nombreux. Alors un peu moins, le taux a un peu baissé puisqu'on a eu forcément contexte particulier, on a eu certains retards dans l'inscription des sites à renouveler, mais on devrait rattraper ça cette année sans problème. Donc voilà un peu la répartition des 577 sites. J'ai mis un peu en avant les gestionnaires qui en avaient plus de 10 sites labellisés. Donc vous retrouvez en premier la ville de Paris avec 124 sites. On a aussi depuis l'an dernier la ville de Rennes enfin depuis l'an dernier, depuis 2019, pardon, la ville de Rennes qui a 73 sites. Donc l'ensemble des sites rennais gérés par la ville sont labellisés Écojardin. On peut citer également dans les gestionnaires privés Paris Habitat, Batigère, Veolia, qui présentent régulièrement chaque année des sites. Et puis on voit que dans les collectivités, notamment les grandes villes comme Lyon, Besançon, la métropole de Lyon, et que je peux citer aussi Montpellier, donc qui sont des villes ou des intercommunalités qui régulièrement présentent des sites au label Écojardin. On peut citer aussi la ville de Pantin, qui depuis 3 ans s'engage à faire labelliser l'ensemble de ses sites. Et la ville de Cherbourg-Octeville, qui est la deuxième ville avec Rennes, qui a l'ensemble de ses sites labellisés Écojardin. Donc une bonne évolution sur l'ensemble des régions. Quelques chiffres clés là sur plutôt les gestionnaires. On a 102 gestionnaires qui ont au moins un site labellisé Écojardin. Donc dans les gestionnaires, on l'a vu, on a aussi bien des collectivités, des communes, des intercommunalités, des départements, mais aussi beaucoup de gestionnaires privés, on en a de plus en plus, des entreprises, des bailleurs sociaux, et puis d'autres typologies comme les établissements d'enseignement, les établissements éducatifs, des établissements publics et des centres hospitaliers, pardon, on a 3 centres hospitaliers labellisés Écojardin. Et autre élément intéressant, c'est ce que vous voyez sur le graphique sur la droite. On a des sites qui sont gérés soit en régie, soit via des prestataires, et donc on a à peu près 91 sites labellisés Écojardin gérés par des prestataires. Donc ça représente à peu près 41 prestataires différents, des entreprises, des bureaux d'études, des associations, des entreprises d'insertion également. Et on retrouve souvent plutôt sur les sites privés, donc gérés dont la propriété est une structure privée. Les sites en régie sont plutôt des sites gérés par des collectivités publiques. Sur les typologies, évidemment, la typologie principale présentée au label, ce sont tous les parcs, jardins, squares publics.
présentée essentiellement d'ailleurs par des collectivités. Ça représente plus de la moitié des sites labellisés. Vient juste derrière, avec 11% des sites, c'est la partie que vous voyez sur le graphique de gauche, les accompagnements d'habitation, et ça on le doit notamment aux bailleurs sociaux qui sont de plus en plus nombreux à présenter des sites. Donc on voit que ça représente une part de plus en plus importante des sites labellisés éco-jardins. Et puis donc les espaces naturels aménagés, hein, qui est une typologie proche des parcs et squares, et puis les établissements pardon éducatifs, socio-éducatifs, qui sont également tous les ans nombreux à présenter leur établissement à la labellisation éco-jardin. Les photos, alors toutes les photos que vous allez voir et que vous voyez depuis le début sont des photos de sites labellisés l'an dernier, en 2020. Et là, je vous ai fait une petite sélection. Donc, vous avez notamment la fameuse plateforme végétalisée du tramway de la métropole du Grand Besançon. Là, on aura une présentation tout à l'heure. Un espace ici, le campus Pléiade, géré par ESB Real Estate. Le cimetière du Mont Valérien à Nanterre. Un espace naturel aménagé, le Bois Vouillant de Grenoble-Alpes Métropole. Et puis des parcs là ici de Grand Paris Seine-Ouest. Ici, séquence que l'on verra, que l'on va entendre juste après. Et puis, un établissement scolaire, le groupe scolaire Saint-Exupéry. Voilà. Et puis, pour terminer, quelques chiffres clés. On a toujours un camping labellisé éco-jardin, d'ailleurs, qui devrait pas tarder à entrer dans son année de renouvellement, qui est le camping communal de la ville de Vitré. 21 cimetières, tous les ans on a un ou deux cimetières, donc ça augmente, et peut-être qu'avec l'extension de la loi Labbé via l'arrêté qui a été publié récemment le 15 janvier de souvenir, et donc qui va imposer le zéro phytosanitaire, zéro produit phytosanitaire chimique à l'ensemble des cimetières, et ben ça va donner des envies à de nouvelles communes d'inscrire leur cimetière dans la labellisation éco-jardin, des sites de bailleurs de plus en plus nombreux, mais également, on le verra aussi dans les témoignages tout à l'heure, des jardins familiaux ou partagés. Voilà. On reverra cette diapo tout à l'heure en fin de matinée, mais je voulais vous la mettre. Vous avez ici l'ensemble des sites labellisés éco-jardin, soit pour une première obtention du label, soit pour un renouvellement. Donc vous avez les 83 sites labellisés ou renouvelés l'an dernier, et je vais laisser. Alors je l'ai pas dit, hein, mais vous sentez-vous libre de poser vos questions dans le chat, hein, pendant la présentation. On pourra les reprendre juste après notre intervention. On aura un petit temps de questions juste après la présentation d'Aurore, si vous le souhaitez. Et je vais donc laisser la main à Aurore. Je vais arrêtez mon partage, Aurore.